Bonjour et bonsoir avec tout super connecté, abonné à Nazatekyo. Tout dépendamment de l'heure que nous pourrons attendre et regarder la vidéo ça. Donc aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle vidéo pour, ou du moins, un nouveau tutoriel qui c'est une réponse avec des questions qui en plus mon a posé. Si tout le monde dans Saint-Domingue, mon Chili, mon Brésil, qui a demandé à Nazatek, est-ce qu'il y a un visa online pour Mexique vraiment? Donc, pour me faire réponse avec question, hein, m'a dit oui. C'est comment? Eh bien, c'est ça que nous allons expliquer dans la vidéo ça. Déjà, si vous avez une idée, n'oubliez pas de liker, commenter, abonner, partager et activer la cloche de notification en face pour ne pas rater aucune autre vidéo importante qui n'a pas posté sur cette chaîne là. Et voilà, mesdames et messieurs, on est de retour après la pause. Donc, si vous faites tomber sur channel ça, pas oublier ou sur Anazatech, chaîne de la formation et de la technologie. Donc, pour entrer dans notre sujet principal, nous, ou du moins, pour faire réponse avec question qu'a posé, hein, et sur comment pour joindre un visa online pour aller au Mexique. Donc, me répondre affirmativement oui, ou capable de joindre un visa online pour aller au Mexique. Donc pour faire ça, vous pouvez aller dans Google, vous cliquez sur le bord de recherche là et puis vous tapez FMM Mexique. Voilà. Automatiquement, vous pouvez cliquer sur lui et bien vous voir interface ça et bien vous allez dans demande en ligne Mexique FMM l'Inde. Vous cliquez sur link ça qui c'est deuxième option. Hein. Voilà, lorsque vous cliquez sur lui, vous avez une jolie bonne interface, ça, mais c'est en français qui est exactement. Vous pouvez le marquer demande en ligne. Allez, alors vous pouvez le marquer Mexico FMM. Là, vous pouvez le marquer demande en ligne. Et puis, vous cliquez sur lui. Voilà. Automatiquement, vous cliquez sur lui, et bien lui-même, il vient avoir une interface. Interface là, donc c'est là que vous pouvez commencer à demander. Vous avez dit, il y a un monde qui est Brésil, il y a un monde qui est Chili, il y a un monde qui. Il y a un monde qui est Saint-Domingue, et bien lui-même, il est capable de voyager à l'aide des visas pour ça, pour aller au Mexique. Et bien, dans la deuxième étape là, lui-même, c'est le paiement qu'il va faire. Et dans la troisième étape là, lui-même, c'est approuver qui a approuvé ou du moins soit confirmé demande là. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo.